Et tout de suite, sur Télé 4-2, votre série du soir. Ici, là, il reste des traces, là, sur la télé, avec tes gros doigts bien dégueulasses, là. Tu m'as mis plein de traces. Nettoie ça. Zou. Tu m'as fait perdre 3h14 de mon éternité pour montrer un film dont je connaissais déjà la fin. Cameron mériterait que je lui farcisse la rondelle avec son iceberg de synthèse. Keep cool. Mais c'est Cameron quand même. Ouais. Et alors? Et alors, avec un génie pareil, on aurait pu s'attendre à une œuvre grandiose. Bah quand même. Quand t'as le bateau là, qui se casse, craque. Et puis qui sombre dans l'eau. Sauvez-nous. Ah bah avec une ambition pareille, toi t'aurais fait fortune à Hollywood. Hein. Moi je vais te dire à quoi elle aurait dû ressembler Titanic. D'abord Leonardo DiCaprio aurait été un robot envoyé du futur pour protéger Kate Winslet des aliens, qui aurait envahi secrètement le navire sur l'ordre de l'USS Montana pour créer une nouvelle race. Une race supérieure, un croisement entre l'homme, la machine, les aliens et les créatures sous-marines. Malheureusement, ça tourne mal pour DiCaprio qui se rend compte que Kate Winslet est un agent double envoyé par l'office de tourisme de Dublin pour relancer la gigue. La plus démoniaque des danses créées par les rouquins. Et là... Mais non, DiCaprio, il détourne le navire et il fonce sur l'iceberg. Le navire, il coule et quand il arrive au fond, il réveille des milliers de piranhas et il y aurait Kate Winslet qui serait nue sur un petit glaçon et les piranhas, ils arriveraient et... Tu me fatigues. Va me chercher une bière. Je suis comment, moi? Pour l'ouvrir? Ça se tourne, non? Oui. Ça. Oui. Abandonner la VHS? Et puis quoi encore? Bah bien sûr que si, la qualité d'image est carrément meilleure, et en plus tu te fais pas chier à rembobiner, il y a des menus, c'est trop la classe. Les gens, ils vont pas acheter des films qu'ils ont déjà en VHS. Oui mais la capacité d'enregistrement est quand même supérieure au VHS, au CD, au CD-ROM. Et le patillon, il est de 0,74 bordel, 0,74. Si ça c'est pas une avancée technologique, c'est que les gens, ils ont de la peau de couille devant les yeux. Mais je sais bien, alors sans parler du numérique à l'aperture de 0,6 mm. Quand tu penses que celle du CD est de 0,45 et que tout le monde a direct adopté ce format, je suis sûr, hein. Ça c'est joué sur la campagne de pub. Hein. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je prends pas parti. Voilà, tu vois, c'est à cause de mecs comme ça. On sera toujours en retard en France par rapport aux States. De toute façon, ils sont tous pareils à synthé, ces vidéoclubs de merde, là. Bordel, ils commencent à me gonfler, ces deux. Ne
étiez pas obligé quand même. Oh, ça va, gamin. Il te gonfle autant que moi. Oui, mais... Là, c'est un peu facile. Bon, facile ou pas, il va falloir nettoyer tout ça. Moi? Oui, avant qu'un client arrive. C'est pas bon pour le commerce, tous ces petits bouts de cervelle qui traînent, là. Je veux pas vous manquer de respect, mais... Là... Ça va pas être possible. Bah voilà. Je le savais que je pouvais pas compter sur toi pour tenir cette boutique. Non, c'est pas ça, c'est... Je voulais pas le mettre en service aujourd'hui, il est pas tout à fait fini, mais tu me laisses pas le choix. Je te présente numéro 2. Et quoi? Hey, il est pas beau, hein? Eh, hey, t'as fini de faire le mariole? Tu crois que je vais faire tout le boulot? Il y a un client qui attend, alors tu te dépêches. Je suis ton ami. T'inquiète pas, je suis comme toi, je suis avec toi. Je suis obligé de crier parce que le patron il est à côté. Okay. Mais je suis tout cœur avec toi. Oh, je te prends une bière, hein. Ça te dérange pas si j'aime la télé? Eh hey, mais... C'est quoi cette gueule? Mais il m'a fait ta gueule? Putain, mais c'était pas ça le deal! Mais c'est quoi ce gros nez là et tous ces bums? Eh hey, mais... Putain, mais je suis moche là! Eh hey, on va pas être copains! Eh hey, mais je suis dégoûté, pourquoi il m'a fait ça?